Hello les amis, comme promis, je reviens pour ma lecture, mais je vais rebondir sur autre chose. Donc, en ce samedi 19 novembre 2022, alors j'ai omis de vous montrer donc les 365 jours de méditation. On va voir ce que l'on nous dit. Donc, en ce 19 novembre 2022, alors j'espère que le zoom il va marcher. Je vais l'aider. Vous avez tendance à être toujours dans le contrôle. Mettez-vous debout, vos pieds donc ancrés dans le sol, puis impulsez un mouvement au niveau donc de vos épaules afin que vos bras balancent de gauche à droite. Un véritable moment de lâcher prise en mode poupée de chiffon. Alors, j'ai vu juste à l'instant, là, voilà, c'est plus net. J'ai vu juste à l'instant qu'il y a eu un échange entre deux abonnés. Et puis, donc, c'est super. Donc, merci à la personne qui a répondu à une autre abonnée. C'est bien. C'est bien que vous puissiez échanger entre vous. C'est le but aussi de cette chaîne. Avant de commencer cette lecture... c'est vrai que, bon, vis-à-vis de ce que j'ai appris de Gilles, un ami d'enfance, dont je vous ai raconté un petit peu grosso modo son histoire, eh bien, je sais que maintenant il est en paix et je suis sûre qu'il baigne dans la lumière. Donc, une pensée pour Gilles, un ami d'enfance que j'ai perdu, voilà, qui n'était pas si âgé que ça. Il me semble qu'il avait un an. Ou à peu près du même âge, il me semble. En ce qui concerne aussi cette maman de Frédéric, hein, un ami aussi, qui est devenu un ami d'enfance, puisqu'il était apprenti, on s'est connu dans ce salon de coiffure. Donc non, je ne devais pas avoir 19 ans, hein, je devais avoir 17, 18 ans, un truc comme ça. Et c'est vrai que j'ai oublié de vous dire que de temps en temps, quand ma cousine rencontrait sa maman, à chaque fois, sa maman de me demander des nouvelles et ça me faisait extrêmement plaisir. Et c'est bien dommage que ma cousine n'a pas pu lui donner son numéro de téléphone, mon numéro de téléphone, parce qu'elle voulait avoir de mes nouvelles également aussi. Donc j'ai dû lui laisser un bon souvenir, certainement. Donc je vais vous faire cette petite lecture. Voilà, donc j'ai toujours gardé le même fond de musique, hein. Je vais rebondir aussi sur autre chose. Donc, on m'a dit que sur une chaîne, je ne suis pas là pour juger, on m'a dit que sur une chaîne, on avait dit, vis-à-vis de ces 48 personnes qui ont été interpellées pour, pédo, porno, plus loin, gras, plus loin, fille, plus loin, qu'il y a eu quelques élus, comme je vous en ai parlé, et puis des fonctionnaires qui ont été interpellés. Bref. Apparemment, cette personne a dit qu'on en avait parlé que sur je ne sais plus où. Et non, faut pas dire ce qui est faux. On en a parlé dans les merdias sur BFM. Voilà, ça je voulais le dire, c'est important. Faut pas dire n'importe quoi non plus. Voilà. Et puis donc, j'ai commencé ma petite lecture. Alors ça va être long, je vais essayer de faire au plus vite. Hop. Donc je continue, c'est des relations de dépendance aux relations éclairées. Ça c'est pour la personne qui m'a demandé de continuer. Voilà. Alors, je ne l'ai pas lu d'avance, hein, je suis toujours dans l'authenticité, c'est... voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va relire pour lire bien, etc. On reste dans le naturel, on reste dans l'authenticité. Les relations d'amour et de haine. À moins d'avoir atteint la fréquence vibratoire de la présence consciente, ou jusqu'à cela que cela soit toutes les relations, et en particulier donc les relations intimes, sont profondément faussées et définitive dysfonctionnelle. Elles peuvent sembler, parfaites pendant un certain temps, par exemple quand vous êtes amoureux, mais cette apparence
cette apparente, comment dire, perfection en vient invariablement à s'effriter quand les disputes, les conflits, l'insatisfaction, de la violence émotionnelle ou même physique se produisent à un rythme de plus en plus fréquent. Alors c'est vrai que certaines personnes, quand rencontrent un homme ou une femme, bref, ont tendance à montrer une bonne image de sa personne. On essaie toujours de montrer une bonne image, mais des fois on ne montre pas tout, on ne montre pas ses défauts. Donc il faut être quand même dans l'authenticité. Il semble que la plupart des relations amoureuses deviennent tôt ou tard des relations à la fois d'amour et de haine. Oui, parce que l'amour peut rejoindre la souffrance et puis la haine. Sans la moindre difficulté, l'amour se transforme en sauvage agressivité, un sentiment d'hostilité ou encore et un retrait complet de l'affection l'un envers l'autre. On considère ceci comme normal. Si dans vos relations vous connaissez aussi bien l'amour que son opposé, c'est-à-dire donc l'hostilité, je tourne la page, la violence émotionnelle, etc., etc., il est alors fort probable que vous confondiez amour et attachement de l'ego, amour et dépendance affective. L'amour vrai n'a pas d'ennemi. Si votre amour en a un, c'est que ce n'est pas de l'amour, mais plutôt un grand besoin de l'ego de se sentir plus complètement et plus profondément soi. Et ce besoin est temporairement comblé par l'autre. Pour l'ego, il s'agit d'un succès d'année de salut. Et pendant un certain temps, cela donne presque effectivement l'impression qu'il s'agit donc de cela. Mais vient un moment où votre partenaire adopte des comportements qui ne réussissent pas à combler vos besoins, ou du moins ceux de votre ego. Les sentiments de peur, de souffrance et de manque qui font intrinsèquement partie de l'ego, mais qui étaient passés à l'arrière-plan grâce à la relation amoureuse, font de nouveau surface. Comme avec toutes les autres dépendances, vous êtes au septième ciel quand vous avez donc de la drogue, mais vient invariablement le moment où celle-ci n'a plus d'effet sur vous. Quand ces émotions souffrantes refont surface, vous les sentez donc avec encore plus d'acuité qu'avant. Qui plus est, vous percevez maintenant votre partenaire comme étant à leur origine. Cela veut dire que vous les projetez donc à l'extérieur et que vous agressez l'autre avec toute la violence sauvage que votre douleur contient. Cette agressivité peut éveiller donc la souffrance de votre partenaire qui contre-attaquera. Rendu à ce point-là, l'ego espère encore inconsciemment que son agressivité ou ses tentatives à vouloir manipuler constitueront une punition suffisante qui amènera donc l'autre à changer de comportement. Celui permettra de se servir à nouveau donc de ses comportements pour occulter votre souffrance. Toute dépendance naît d'un refus inconscient à faire face à votre propre souffrance et à la vivre. Celle-ci commence et finit dans la souffrance. Quelle que soit la substance à laquelle vous êtes accroché, l'alcool, la nourriture, les drogues légales ou illégales, ou bien une personne. Vous vous servez de quelque chose ou de quelqu'un pour dissimuler votre douleur. C'est pour cette raison qu'après l'euphorie initiale, il y a tellement de tourments et de souffrances dans les relations intimes. Mais ces dernières n'en sont pourtant pas la cause. Elles font simplement ressortir la souffrance et le tourment qui se trouvent déjà en vous. Toutes les dépendances agissent ainsi. Toutes les dépendances atteignent un point où elles n'ont plus d'effet sur vous. Donc vous ressentez alors la souffrance plus intensément que jamais. D'ailleurs, la plupart des gens essaient toujours donc d'échapper au présent et cherchent le salut dans le futur, quel qu'il soit. La première chose sur laquelle ils pourraient donc buter
qu'ils concentraient leur attention sur le moment présent, c'est leur propre souffrance. Et c'est justement ce dont ils ont peur. Si seulement ils savaient combien il est facile de trouver dans le présent le pouvoir qui dissipe le passé et la souffrance, la réalité qui met un terme à l'illusion. Si seulement ils savaient à quel point qu'ils sont, comment dire, près de leur propre réalité, du divin. La réponse n'est pas non plus donc d'éviter les relations afin d'éviter la souffrance. Celle-ci est là de toute façon. Trois relations qui n'ont pas fonctionné en autant d'années vous amèneront fort probablement plus à vous réveiller que 3 années sur une île déserte ou reclus dans votre chambre. Par contre, si vous réussissiez à être intensément présent à votre solitude, cette solution fonctionnerait peut-être pour vous. Des relations de dépendance aux relations éclairées. Lecture médiative. Que vous viviez seul ou avec donc un partenaire, ceci reste la clé. Pour que l'amour puisse fleurir, la lumière de votre présence doit être suffisamment forte pour que vous ne laissiez plus contrôler par le penseur ou le corps de souffrance et que vous n'assimiliez pas plus ceci à ce que vous êtes. Vous connaître comme étant l'être derrière le penseur, le calme derrière le parasitage du mental, l'amour et la joie derrière la souffrance, c'est cela la liberté, le salut, l'illumination. Se désidentifier donc du corps de souffrance, c'est devenir présent à la souffrance et ainsi donc la transformer. Se dissocier donc de la compulsion à réfléchir, c'est être le témoin silencieux des pensées et des comportements, en particulier des scénarios mentaux qui se répètent et des rôles joués par l'ego. Si vous cessez d'insuffler donc une existence au mental, celui-ci perd son aspect compulsif qui est fondamentalement l'obligation de juger et par conséquent à résister à ce qui est. Ceci crée conflits, mélodrames et donc de nouveaux chagrins. En fait, dès l'instant où le jugement cesse par l'acceptation, pardon, de ce qui est, vous êtes donc libéré du mental. Vous avez fait la place pour accueillir donc l'amour, la joie, la paix. Lecture méditative. En premier lieu, cessez de vous juger vous-même et vous arrêtez ensuite de juger votre partenaire. Le plus grand déclencheur de changement dans une relation, c'est l'acceptation totale de votre partenaire tel qu'il est, sans aucun besoin de le juger ou de le changer de façon quelconque. Cette acceptation vous transporte immédiatement au-delà de l'ego. Tous les jeux du mental et les dépendances profondes sont alors révolues. Il n'y a plus ni tyran, ni victime, ni accusateur, ni accusé. Ceci met aussi donc un terme à toutes les dépendances et au fait que vous êtes attiré donc par les scénarios, comment dire, inconscients d'une personne et que vous leur permettez ainsi de se perpétuer. Soit vous vous séparez dans l'amour, soit vous plongez encore plus profondément dans le présent, ensemble, dans l'être. Cela peut être-il aussi donc simple que ça? Oui, ça l'est. L'amour est un état. L'amour n'est pas, comment dire, à l'extérieur, mais au plus profond de vous. Il est en vous et indissociable de vous à tout jamais. Il ne dépend donc pas de quelqu'un d'autre, d'une forme extérieure. Lecture méditative. L'immobilité de la présence intérieure vous permet de sentir votre propre réalité intemporelle et sans forme, c'est-à-dire la vie non manifeste qui anime votre forme matérielle. Elle vous permet aussi de sentir cette même vie au plus profond de chaque autre être humain et donc de toute autre créature. Vous voyez dorénavant, au-delà du voile de la forme et de la division, c'est
Ceci donc est la réalisation donc de l'unicité. Ceci est l'amour. Bien que de brèves incursions de l'amour soient possibles, celui-ci ne peut fleurir à moins que vous ne soyez donc définitivement libéré de l'identification au mental et que vous soyez intensément et suffisamment présent pour avoir pu dissiper le corps de souffrance, ou encore à moins que vous puissiez donc rester présent en tant qu'observateur. Ainsi, le corps de souffrance ne peut plus prendre possession de vous et détruire l'amour. Les relations en tant que pratique spirituelle. Comme les humains sont devenus de plus en plus identifiés à leur mental, la plupart des relations ne sont pas ancrées dans l'être et se transforment donc en source de souffrance du fait qu'elles sont régentées par des problèmes, par les problèmes et les conflits. Si les relations attirent et amplifient donc les schémas mentaux et activent le corps de souffrance, comme c'est le cas présentement, pourquoi ne pas accepter cet état de fait au lieu d'essayer donc d'échapper? Pourquoi ne pas coopérer au lieu d'éviter les relations ou de continuer à poursuivre le fantôme du partenaire idéal qui doit prétendument solutionner tous vos problèmes ou vous combler? Reconnaître et accepter les faits amène aussi un certain degré de libération par rapport à vous. Par exemple, quand vous reconnaissez qu'il y a un manque d'harmonie et que vous vous appropriez donc de cette prise de conscience, un nouveau facteur entre en jeu grâce à celle-ci et le manque d'harmonie ne peut rester tel que. Lecture méditative. Quand vous reconnaissez que vous n'êtes pas en paix avec vous-même, cette reconnaissance crée donc une atmosphère de calme qui accueille le désaccord dans un mouvement tendre et aimant et le convertit donc par la suite en paix. En ce qui concerne la transformation intérieure, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas vous transformer vous-même à volonté. Pas plus que vous ne pouvez changer votre partenaire ou quelqu'un d'autre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est ménager un espace au sein duquel donc la métamorphose peut se produire afin que la grâce et l'amour puissent venir. Alors chaque fois que la relation entre vous et votre partenaire ne fonctionne pas, qu'elle suscite en vous de la folie, réjouissez-vous car ce qui est inconscient vient d'être amené à la lumière. C'est là une occasion d'accéder au salut. Lecture méditative. À chaque instant, appropriez-vous donc la reconnaissance de ce moment, en particulier celle de voir état intérieur. S'il y a de la colère, reconnaissez-la. S'il y a en vous de la jalousie, une attitude défensive, une pulsion à vouloir vous disputer, un besoin d'avoir raison, si votre enfant intérieur exige amour et attention, ou bien si vous ressentez donc une quelconque souffrance émotionnelle, peu importe que ce soit reconnaissez la réalité de ce moment et appropriez-vous-la. La relation devient donc alors votre sadhana, votre pratique spirituelle. Si vous vous identifiez donc chez votre partenaire un comportement inconscient, sachez-vous approprier cette prise de conscience dans une attitude d'amour afin de ne pas réagir. L'inconscience et la reconnaissance de ce qui est ne peuvent pas cohabiter longtemps, même si la reconnaissance se produit chez l'autre et non pas chez la personne qui agit par inconscience. Pour la forme d'énergie qui donc sous-entend l'hospitalité et l'agressivité, la présence de l'amour est absolument intolérable. Si vous réagissez d'une façon quelconque donc aux attitudes inconscientes de votre partenaire, vous devenez vous-même inconscient. Mais si vous vous souvenez de reconnaître votre réaction, alors rien n'est perdu.
Jamais auparavant, les relations n'ont été aussi problématiques et conflictuelles qu'elles le sont actuellement. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, elles ne sont pas là pour vous rendre heureux ni pour vous combler. Si vous continuez à utiliser les relations pour vous trouver le salut, vous serez constamment déçu. Par contre, si vous acceptez qu'elles existent pour vous rendre conscient et non pas heureux, elles vous amèneront effectivement le salut et vous serez alors donc en harmonie avec la conscience supérieure désireuse de voir le jour dans ce monde. Pour ceux qui s'accrochent au vieux donc scénario, il y aura une intensification de la souffrance, de la violence, de la confusion et de la folie. Combien de personnes faut-il pour faire de votre vie une pratique spirituelle? Peu importe que votre partenaire coopère ou pas, la conscience et la santé mentale ne peuvent advenir dans ce monde que par vous. Pas besoin d'attendre que le monde soit censé ou que donc quelqu'un d'autre devienne conscient pour vous réaliser. Vous pourriez donc attendre indéfinitivement. Ne vous accusez pas réciproquement d'être inconscient. Dès l'instant où vous commencez donc à vous disputer, c'est que vous donc venez de vous identifier à une position du mental et que vous défendez non seulement cette position, mais également le sens de votre identité. C'est donc l'ego qui prend les choses en main. Et vous tombez alors donc dans la conscience. Il est parfois approprié de faire remarquer à votre partenaire certains aspects de son comportement. Si vous restez donc très vigilant, très présent, vous pouvez donc y arriver sans faire entrer en jeu l'ego, sans proférer donc de reproches, sans accuser l'autre ou lui donner tort. Lorsque votre partenaire se comporte avec inconscience, renoncer à tout jugement. Car d'un côté, le jugement amène à associer donc le comportement inconscient d'une personne avec ce qu'elle est en réalité ou de l'autre. À projeter votre propre inconscience sur l'autre personne, à prendre cette projection pour ce que cette personne est en réalité. Renoncer au jugement ne signifie pas que vous ne sachiez pas reconnaître une dysfonction ou l'inconscience quand vous les voyez. Cela veut dire que vous êtes celui ou celle qui reconnaît au lieu d'être celui ou celle qui réagit et qui juge. Vous serez alors totalement libéré de la réaction ou vous réagirez en reconnaissant que vous le faites, créant ainsi un espace où vous observez donc la réaction et lui permettre d'être. Au lieu de vous battre contre l'obscurité, vous faites donc la lumière. Au lieu de réagir face à l'illusion, vous la voyez et en même temps vous voyez à travers elle. Quand vous êtes celui ou celle qui reconnaît donc, vous ménagez un espace d'ouverture et de présence aimante qui permet à toute chose et à toute personne d'être telles qu'elles sont. Il n'existe aucun catalyseur aussi puissant que celui-ci pour aller vers la transformation. Si vous vous entraînez à agir ainsi, votre partenaire ne pourra pas rester avec vous tout en restant dans l'inconscience. Tant mieux si vous tombez tous les deux d'accord pour faire donc de votre relation une pratique spirituelle, cela permettra l'un l'autre d'exprimer vos pensées, vos sentiments et vos réactions aussitôt qu'ils se présentent. De la sorte, vous ne créez donc pas le décalage temporel qui amène une émotion ou une doléance non exprimée ou non reconnue à s'envenimer et à grandir. Exercice. Apprenez à dire ce que vous ressentez sans faire de reproches. C'est pas chose facile. Sachez écouter votre partenaire de façon ouverte et non défensive. Laissez-lui l'occasion de s'exprimer. Soyez présent.
Accuser, attaquer, se défendre, tous ces scénarios destinés, pardon, à protéger et à renforcer l'ego ou à combler ses besoins deviendront alors désuets. Il est vital de faire de la place aux autres et à soi-même. L'amour ne peut s'épanouir sans cela. Une fois que vous aurez donc éliminé les deux facteurs de destruction d'une relation, c'est-à-dire que le corps de souffrance sera métamorphosé et que vous ne serez donc plus identifié à votre mental et à ses positions, et que votre partenaire aura fait de même, vous connaîtrez tous deux l'extase qui représente l'épanouissement d'une relation au lieu de vous refléter l'un l'autre votre souffrance et votre inconscience. Au lieu de satisfaire les besoins mutuels de vos égos dépendants, vous vous refléterez l'un à l'autre l'amour donc que vous sentez au plus profond de vous, celui qui advient avec la réalisation que vous ne faites qu'un avec le grand tout. Et ceci est l'amour qui n'a pas d'opposé. Si votre partenaire est encore identifié au mental et au corps de souffrance, alors que vous en êtes déjà libéré, ceci représentera un défi de taille. Non, pas pour vous, mais pour votre partenaire. Il n'est pas facile de vivre avec une personne illuminée. Ou plutôt, c'est si facile que l'ego trouve cela extrêmement menaçant. N'oubliez pas que l'ego a besoin de problèmes, de conflits et d'ennemis pour renforcer le sentiment de division dont dépend son identité. Le mental du partenaire qui ne s'est pas réalisé sera profondément frustré parce que plus rien ne s'opposera à ses positions fixes, ce qui vous donc vous rendra dire que celles-ci deviendront chambranlantes et affaiblies. Elles courent même le risque de s'effondrer complètement, ceci se traduisant donc par la perte du sens de soi. Le corps de souffrance exige une réaction et ne l'obtient pas. Son besoin de dispute, de mélodrame et de conflit n'est pas satisfait. Renoncez à la relation que vous entretenez avec vous-même. Illuminé ou pas, vous êtes soit un homme, soit donc une femme. Donc sur le plan de l'identité par la forme, vous n'êtes pas complet. Vous êtes la moitié d'un tout. Cette incomplétude se fait sentir sous la forme de l'attirance homme-femme, l'attirance vers la polarité énergétique opposée, peu importe le niveau de conscience. Mais quand vous êtes en état d'harmonie intérieure, vous ressentez que cette fascination se produit plutôt à la périphérie de votre vie et non dans le centre. D'ailleurs, quand vous êtes dans cet état de conscience réalisée, tout ce qui vous arrive se ressent donc à la périphérie. Le monde entier ne semble plus qu'ondulation ou vague à la surface d'un vaste et profond océan. Vous êtes cet océan, mais vous êtes aussi une vague qui a réalisé donc sa véritable identité comme étant celle de l'océan. Et comparativement donc à l'immensité, à cette profondeur, le monde des ondulations et des vagues n'est pas si important que ça. Ceci ne veut pas dire que vous n'entrez pas profondément en relation avec les autres ou avec votre partenaire. En fait, vous ne pouvez y arriver que si vous êtes conscient de l'être, comme vous. Fonctionnez à partir de l'être. Vous pouvez voir au-delà du voile qu'est la forme. Chez l'être, masculin ou féminin, et féminin, ne font plus qu'un. Il se peut que la forme ait certains besoins, mais l'être, lui, n'en a point. Il est
en soi, complet et entier. Si les besoins de la forme se comblaient, tant mieux. Mais qu'il le soit ou pas, cela ne fait aucune différence pour votre état intérieur profond. Il est donc parfaitement possible chez une personne réalisée, si le besoin de contacter donc la polarité féminine ou masculine n'est pas comblé, de sentir un manque ou une incomplétude à la périphérie de son être et d'être en même temps totalement complète, comblée et intérieurement en paix. Si vous ne réussissez pas à vous sentir bien avec vous-même quand vous êtes seul, ça c'est un peu important, se retrouver face à soi-même et se combler à soi-même. Vous chercherez à établir une relation avec une autre personne pour masquer le malaise. Mais vous pouvez être sûr que le malaise refera donc surface. Sous une forme ou une autre dans la relation et que vous rendrez probablement votre partenaire responsable. Nous arrivons vers la fin. Lecture méditative. Tout ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'accepter totalement l'instant présent. Vous êtes alors bien dans l'ici, maintenant et avec vous-même. Mais avez-vous absolument besoin d'être en relation avec vous-même? Pourquoi ne pouvez-vous donc être simplement vous-même? Quand vous êtes en relation avec vous-même, vous êtes divisé. D'un côté, il y a le « je » et de l'autre, le « moi-même », soit le sujet et l'objet. Cette dualité crée de toutes pièces par le mental est la cause de toute complexité superflue, de tous les problèmes et conflits qui surgissent donc dans votre vie. Quand vous êtes réalisé, vous êtes vous-même, autrement dit, le vous et le vous-même ne font plus qu'un. Vous ne jugez pas, vous ne prenez pas en pitié, vous n'êtes pas fier de vous, vous ne vous aimez pas, vous ne vous détestez pas, etc., etc. La division causée par la conscience qui revient sur elle-même est résorbée et sa malédiction éliminée. Il n'y a plus que moi à protéger, à défendre ou à substanter. Quand vous êtes réalisé, vous n'entretenez donc plus cette relation avec vous-même. Une fois que vous y avez renoncé, toutes les autres relations deviennent des relations d'amour. C'est terminé. Donc, j'aurais autre chose donc à ajouter sur cette lecture. Il y a beaucoup de femmes qui sont seules. Comment vous dire ceci? Je vais baisser encore un peu le son. Il y a beaucoup de femmes qui sont seules. Ceci, j'en ai déjà parlé. Il y a beaucoup de personnes, que ce soit hommes ou femmes aussi, qui ne supportent pas la solitude. C'est-à-dire, j'ai un petit chat dans la gorge. C'est-à-dire qu'ils ne supportent pas la solitude. J'ai constaté qu'il y a des personnes pour combler cette solitude, parce qu'ils ne se suffisent pas à eux-mêmes, feraient n'importe quoi pour rencontrer là ou le premier venu, la première ou le premier venu. Et parfois c'est souvent joué, comment dire, c'est souvent l'échec. Pour rencontrer quelqu'un, il faut se suffire à soi-même. Autrement, c'est voué à l'échec. Vous voulez rencontrer quelqu'un parce qu'on se sent seul, on ne se suffit pas à soi-même, c'est voué à l'échec. Sous certaines formes, cela arrive souvent. Je connaissais donc une personne il y a très longtemps qui était comme ceci. Elle ne se suffisait pas à elle-même, ne supportait pas d'être seule.
Et donc, c'était que des rencontres sur Internet qui ont toujours échoué. Parfois, on peut faire des rencontres sur Internet qui peuvent vous amener à un amour sincère. Mais la plupart du temps, c'est voué à l'échec. Il faut être prêt ou prête pour rencontrer quelqu'un. Il faut je le répète, se suffire à soi-même. C'est-à-dire, comment dire, être face à soi-même, supporter entre guillemets cette solitude. Mais malheureusement, il y a des personnes qui ne se suffisent pas à soi-même et qui font des rencontres sur Internet ou autre parce qu'ils ont ab absolument besoin de quelqu'un. Et bien souvent, c'est voué à l'échec. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, avant de rencontrer quelqu'un, il faut déjà, si vous avez des blessures, blessez vos blessures donc, du passé, c'est-à-dire d'une séparation, d'un deuil malheureusement. Il faut être prêt à rencontrer quelqu'un et se suffire à soi-même. Sur ce, je vous souhaite un magnifique samedi. Et peut-être vous retrouverai-je peut-être demain. Je ne sais pas, c'est toujours l'imprévu. Donc voilà. Mais écoutez, c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre parce que c'est toujours ce livre, pardon, Mettre en pratique le pouvoir du moment présent, méditation, exercice. D'accord? Et l'auteur est un enseignant spirituel. Alors, je ne vais pas écorcher donc son nom, c'est Eckhart Tolle. Eckhart, plus loin, Tolle. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser et je ferai une suite sur une prochaine lecture. Voilà, ça sera peut-être au hasard, je verrai bien. Eh bien, écoutez, continuez, comment dire, comme j'ai vu tout à l'heure, continuez à échanger entre vous. J'ai vu qu'il y avait un échange qui était très important. On peut avoir des soutiens, on peut avoir des conseils, etc., etc. Donc, continuez à échanger entre vous. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. C'est aussi le but de cette chaîne. En attendant, je vous fais plein de bisous. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.